Bonjour et bienvenue dans ce best-of des modes de la semaine. Alors aujourd'hui on va avoir peu de modes, mais vous voyez ce petit mode, il est très sympa. Hein, on aurait cru que j'étais dans le noir intersidéral et pourtant non, c'est juste des blocs spéciaux pour faire un fond noir. Et également, comme vous l'avez vu juste à côté, hein, pour faire un fond blanc. On va tout de suite tester ça. Ça fait peut-être un petit peu mal aux yeux, mais bon, au moins vous voyez, si vous voulez découper parfaitement un personnage. C'est dommage qu'il n'y ait pas la fonction fond vert, mais c'est vraiment pas mal autrement. Donc, ces deux modes, ben, comme d'habitude, hein, vous verrez un lien dans la description pour voir... Enfin, c'est un seul mode. Bref, vous voyez aussi que le bloc blanc émet de la lumière pour pouvoir justement faire un parfait blanc. Donc, c'est vraiment sympa comme mode, vraiment bien pensé. On va voir le deuxième mode. Attention, mode 2, voilà. Donc ici vous devez noter cette petite barrière, ce petit chemin, etc. Donc on va rebalancer ça dans mon inventaire parce que je ne suis pas doué. Mais on va voir, voilà, il y a plein de petites choses bien sympathiques, hein, que ce soit des sonnettes, des sofas, des tables, etc. Des décorations. On va sonner et on va donc tout de suite se rendre dans la petite maison décorée. Hop, voilà. Donc nous avons ici un petit sofa et nous avons là différentes chaises avec des tables. Enfin non, à chaque fois c'est la même chaise. Par contre c'est différentes tables. Donc on a la déco, on peut continuer à faire jouer avec la sonnette, on peut aussi faire jouer avec la lumière maintenant. Voilà, on, off. Et donc on va aussi noter une fonction intéressante du canapé. Plusieurs fonctions intéressantes même. Alors voyons voir, je vais pas poser le canapé sur la moquette sinon il sera en suspens, attention, dans les airs. Bon bah tant pis. Voilà, vous voyez, déjà il s'ajuste automatiquement si on le rallonge. Et en plus on peut le teindre facilement. Et on peut même faire un canapé multicolore, hein, si vous avez envie de faire un canapé bleu, blanc, rouge ou je ne sais trop quoi d'autre. C'est libre à vous. Donc que noter d'autre à propos de ce mode? Bah, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire, hein. Comme d'habitude le lien sera dans la description. On va aller voir le troisième mode et vous allez voir c'est un peu moins convaincant mais l'idée est géniale. Vous voyez ici il y a un champ avec différentes cultures, on voit qu'il y a des betteraves et des carottes qui ont déjà poussé. Ici on voit que sur les cannes à sucre il y en a deux qui sont à 2 de hauteur. Et sinon bah voilà, par la betterave et la carotte on voit pas grand chose. Donc on va aller dormir rapidement ici, tout d'abord il faut mettre la nuit. Alors le but de ce mode, c'est de faire en sorte que les plantations et tout ça continuent à pousser pendant la nuit, comme si le temps continuait à s'écouler. Alors c'est absolument génial, hein, ça permet que les usines produisent quasiment deux fois plus. Mais voilà, dans les faits, voilà, cette canne à sucre a poussé de 1, et à part ça, j'ai pas l'impression de voir autre chose qui ait poussé de manière significative. Donc... c'est un mode qui est encore en développement, il y a beaucoup de choses intéressantes dans l'idée, mais voilà. Donc c'était à peu près tout, c'était un petit peu court parce que je suis assez surchargé. J'espère que vous avez bien aimé cette série des meilleurs modes de la semaine. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que je teste certains modes, en particulier si vous avez des idées de nouveaux modes vraiment intéressants. Et en attendant une prochaine fois, je vous souhaite tout le meilleur du monde.